Et salut tout le monde, ici c'est Floffy, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Reborn. Pourquoi il n'y a pas de musique, je sais pas, peut-être parce que c'est trop calme là-haut. Donc, Kiki nous avait envoyé, voilà, contre son étudiant ici, pour aller l'affronter et possiblement remporter la machine qui nous permettra d'utiliser force, si j'ai bien compris. Bon, sauvegarde, on sait jamais. Apparemment c'est un étudiant qui utilise des Pokémon feu et on voit la belle académie d'ici, c'est très bien fait, c'est joli. Donc sur ce, apparemment il utilise des Pokémon feu, je sauvegarde encore, je sais pas pourquoi, j'ai peur, on sait jamais. Canino c'est niveau 41, je sais pas si c'est au niveau, c'est niveau 42 ou 43 qu'il apprend. Attendez, ça se trouve je peux lui faire gagner un niveau. J'ai des potions, c'est pas grave, vous en faites pas. Pareil, il y a un truc ici. Ok, bon, c'était pas la bonne idée, ça c'était pour redescendre plus vite, je pense. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, le chemin est toujours ouvert normalement, si ça a pas fait de conneries. Hein. Voilà. J'aimerais bien trouver un petit Pokémon sauvage par contre. Kalinos devrait monter d'un niveau là. Ah c'est niveau 43. Tant pis. Donc j'ai une super potion. Voilà pour 20 PV. Hein, je pouvais mettre une potion. J'ai pas de. Non. Je n'ai pas de super bonbon. Oh, il y a juste pas de musique sur cet étage en fait. Ok. Du coup, on re-sauvegarde. Voilà. On n'est jamais en sécurité. On enlève le halt et on y go. Donc lui il s'appelle Cal, non. Cal, comme Calvin. Est-ce que je peux t'aider? Kiki t'a envoyé ici pour m'affronter. Je n'ai jamais eu un combat sérieux depuis que j'ai abandonné mon rôle de champion d'arène. Et maintenant je suis... je ne sais plus quoi faire. Je laisse la colère... Hunger, c'est... Ouais, c'est la colère. Me conduire et me contrôler. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour apprendre à laisser... Enfin... Pour apprendre à contrôler ma rage. Ouais. Pour à contrôler toute la rage que je ressens pour mes frères. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant était juste essayer et prouver que j'étais meilleur. Meilleur qu'eux. Et tu vas affronter la Ligue de Reborn, n'est-ce pas? Est-ce que tu as rencontré une dresseuse nommée Shelly? Donc tu l'as fait. Comment elle va? Comment elle est? Elle est timide, n'est-ce pas? C'est sûrement à cause de moi. Ouais. Je l'ai isolé. On est un peu connecté sur un niveau. Ouais. Mais elle a pris toute l'attention. Ouais. Mais Shelly a compris. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que. Ok, on dirait qu'ils sont frères et sœurs. Et finalement, ouais, désolé, je suppose que je dois méditer seul. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que je devrais arrêter de parler et trouver un moyen de te combattre. Oh, il est classe. Ok. Infernape. J'ai laissé le truc devant, évidemment. La boulette. Je peux rien faire contre ça. Super en défense, bah tant mieux pour moi. Même si bon, une attaque ne va pas te faire gros dégâts. Je pense pas que Crofeu va lui faire de gros dégâts non plus. Ouais, pas mal. Bon, il a clairement plus de défense.
Après, ouais, c'était peut-être pas une bonne idée de mettre Caninos devant. Hein. Toi. Je ne pense pas que tu sois plus rapide, mais tu peux le tuer. Ouf, le coup critique. Un Typhlosion. Étude 5. Je pense pas que ça me tue, ouais voilà. Golemastoc. Delphox, ok. Toi. Faut que je fasse attention à pas prendre trop d'XP. C'est vrai qu'il est type psy lui. Bon, c'est stabé et tout. Voilà, tu meurs. Quelle puissance chez Sunny Docking. Charizard. Toi. Voilà, x4, ça dégage. Mag Mortar, ça doit être Maganon ça. On va voir. Bingo. Nidoking est plus rapide. Mais il fait pas de dégâts. Ah, le terrain est en train de cramer. Juste, il a combien de vitesse lui? 66. 88. C'est pas dégueu. Bon après, Maganon doit pas avoir une vitesse énorme, mais je pense qu'il me tue quand même. Ouais, il est plus rapide. La boulette. Ah, ça me fait chier d'utiliser Amphinobi quoi. Nice. D'accord, on brûle du terrain. Je préfère prendre des dégâts plutôt que ressentir une brûlure. Que avoir la statue brûlure. Et le dernier ce sera un... Blaziken, Brazegali. Si je pouvais le paralyser, ce serait pas mal. Une petite intimidation, c'est gratuit. Blaze Kick. Ça va. Allez, le poulet. Ah, il a turbo quand même. Le tue pas, le tue pas, le tue pas. Merci. Allez, tue-moi. Allez. Yes. En espérant qu'avec la turbo, il soit pas plus rapide que... que mon Sunistrel. Oui. Nice. Voilà. Oui, bon, j'ai sacrifié des Pokémon. Oh, il va prendre Super Fang. Super Fang. C'est la moitié. Est-ce que ça nous intéresse? Non. Yes. Easy. Ouais. On dirait que j'ai perdu mon... ma flamme après tout. Peut-être que c'est pour le mieux. J'ai seulement commencé à entraîner des Pokémon feu pour battre mon frère de glace. Que je suis stupide.
Tu peux dire à Kiki que tu m'as battu. Je vais rester ici. J'ai des choses à finir. La méditation, par exemple. Ok. Bah, nice. Bon, c'était pas trop costaud. Bon, j'ai juste fait l'erreur de mettre Caninos au début. Mais au final, ça s'est bien passé. Mais après, quand il y a un monotype aussi facile, enfin, il y a des starters et tout, mais... Puis j'étais tellement haut level. Je suis très très haut level, donc... Quoi, tu vois... non, c'est pas ça que je voulais faire. 42, 43, 44, 43, 43, 44... Ça aide. Ok, on va voir Kiki. Kiki, j'ai gagné. Sensei, s'il vous plaît, si tu continues à pousser, à vous forcer, vous allez vous blesser. Non. Willpower is a muscle. Enfin, la volonté. Je ne vais pas. Ouais. J'ai toujours dit. Le plus dur à affronter. Le plus dur dans un combat est d'affronter les ténèbres. Les ténèbres en chacun de nous. Voici mes ténèbres. Please, laisse-moi me battre. S'il te plaît, laisse-moi me battre. Oh, Fluffy, tu es revenu. Ne prends pas en considération la faiblesse dont je fais preuve. Je vais très bien. J'étais seulement confuse. Enfin, winded, je sais pas trop ce que c'est. Comment était Cal? Je veux dire, est-ce que tu étais capable de le battre? Donc tu l'as fait, je vois. Victoria aussi a déjà... déjà informé de tout ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que tu es le seul qui peut faire quelque chose. Tu vas m'affronter dans un match officiel de la Y Reborn. Si tu gagnes, tu vas avoir le badge et la machine. Et je t'attends sur le terrain. Je suis désolé. Tout va bien. Ok. Alors je vais peut-être pas laisser. Elle a des Pokémon de combat. Pokémon de combat qui utilisent des types sol. Donc Caninos ne sera pas une bonne idée en premier lieu. Limite, je devrais mettre lui au début. Dans l'équipe type spectre. Fluffy, attends. Est-ce que j'ai sauvegardé? Je dois te dire quelque chose. Quand tu y vas, Kiki quand tu es arrivé, ne m'a pas donné la graduation, enfin le diplôme. Elle m'a juste montré des choses à propos de l'académie. Il n'a pas vu une policier. Elle est en train de mourir. Elle a été malade depuis des mois et elle essaye de tenir pour. Enfin, elle essaye de faire le meilleur pour cacher ça à tout le monde. Elle me l'a seulement dit à moi. Et apparemment il n'y a pas de moyen, enfin de traitement. Donc ouais, je me sens pas bien à propos que tu l'affrontes comme ça. Elle est nous sommes convaincus de nous. On va essayer de la convaincre de nous donner la machine par un autre moyen. Parce que si elle se bat, je ne peux pas te laisser faire. Mais à chaque fois que je vais affronter un champion, elle veut pas. Après, en même temps, elle est en train de crever et elle veut se battre contre nous. Donc, elle s'est mise en danger. Je suis d'accord de ce qu'elle fait. Mais moi, j'ai jamais voulu l'affronter, quoi. Enfin, c'est elle qui me dit, viens me battre. Enfin, je pige pas que quand quelqu'un te dit, je vais faire ça, tu veuilles être contre sa volonté, même si ça se met en danger. Je suis d'accord. Après, Victoria, ses intentions, elles sont bien. Ses intentions sont nobles, comme on dit. Allez, go les Mastoc. Ivisla. Galad. En espérant qu'il me fasse pas trop mal. Dans Slam, ok. Ok. Ah ouais. Ça, je m'attendais pas. Ça va être chaud. Bon, ça me tue. Il doit
doit avoir coup psycho et tout en plus. Tout va bien. Lame feuille. Putain, mais levez les chaises quand vous voulez traîner. Ok. Bon, lui, il passe niveau 45, c'est un peu chiant. Faudra que j'utilise un truc sur lui. Un bord. C'est roi Tiflamme, ça. Ouais, j'en étais sûr. Oh, ça va, il fait pas trop mal. Choice Ice Cream. Ok, le Poison Jab qui fait mal. Heracross. Ça, c'est bien pour Caninos. Ok, nice. Ah, fuck. Ah ouais. Bon, lui va crever de toute façon. Smelling Salt. Ah, balance du sel. Ariyama, il va être chiant. Ok, ne paralyse pas surtout. Ok, ça c'est bon. Comme ça, Caninos va prendre l'XP aussi. 1000 ou je sais pas combien. Et on finit le Heracross. Je pense pas qu'il gagnera assez d'XP. Non, j'y ai trop cru. Fuck. Fais chier. Il n'évoluera pas tout de suite. Genre il a Moxie. Adieu. Fais chier, j'y ai trop cru au un petit PV qui restait. Ah, il aurait peut-être pu monter de niveau en fait. Ouais. C'est pour les enfants, n'est-ce pas? Par contre, je sais pas si je peux passer sans... Parce que... Ouais, je suis pas soigné. Et j'ai peur que si je passe dans la cour... Attendez. On va sauvegarder ici. Et je vais voir si je peux passer. Ah oui, je peux passer. Ouf, laisse passer. Je peux pourquoi il a bloqué le toit du coup l'autre. Ok, ref. Mince, je suis encore en table. Désolé, j'ai dû faire une petite coupure parce qu'il y a eu un petit imprévu. Et j'en ai profité en même temps pour XP Policeman pour qu'il passe au niveau 43. Parce que je me suis dit que ce serait pas mal qu'il ait évolué pour l'arène. Il a appris colère. Et du coup, maintenant, on peut le faire évoluer. Firestone, 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 Firestone. Allez, go. Comme ça, on pourra attaquer l'arène avec une belle équipe. Change de layout en même temps. Oh, qu'il est beau. What? Il veut pas prendre vitesse extrême. Il veut pas prendre vitesse extrême. Attends, c'est bien 43 qu'il a prendre vitesse extrême. Ou 42. 34, d'accord, je suis complètement con en fait. Je suis complètement con. Mince, le layout. Donc, Arcanine. Oups. Voilà. Comme ça, notre équipe est prête. Arcanine, voilà.
Alors. On va se soigner. On sauvegarde. Et en même temps. Alors. Bon, c'est une arène de type combat. Sur quoi je vais partir? On va partir sur lui, quoique c'est peut-être pas une. Je pense que je vais mettre lui en premier. Je pense pas qu'il ait de quoi pouvoir me toucher. Je vais sauvegarder ici, ce sera mieux, comme ça m'évitera de refaire tout. Allez, go. Alors, si tu es prêt, prends place. Fluffy, montre-moi comment la discipline t'a construit. Le challenger Fluffy va maintenant affronter le champion d'arène Kiki dans un match 6 contre 6. Chaque concurrent peut faire des changements. La battle va se terminer une fois que les 6 Pokémon seront incapables de combattre. Commencez. Kiki. Fluffy versus Kiki. Elle a carrément une aura et tout. McConnor. Dynamic Punch. D'accord. Par contre, pourquoi ça l'a pas rendu confus en fait? Genre, il a les restes. Ouais. On va changer. Ok. Fait pas trop de dégâts sur lui. On va partir sur un Telluriforce. Augmente. Ok. Il faut que je fasse attention parce que je suis déjà bientôt 45. Enfin, je vais l'être maintenant. Lucario. Bon, le choix est vite fait. Même si Nidoking aurait pu le faire en soi. Niveau 40, ok. Pas être facile. Hein. Lucario Plénitude. D'accord, il se joue spécial celui-là. Il se joue spécial. Avec Plénitude. Je préfère Nasty Plot, moi perso. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Avec un peu de chance, il aura pas de quoi. Ouais, non, il a une PC. Ah merde! Mais il va me défoncer? Parce que quoi qu'il arrive, il sera plus fort que moi. Est-ce que je serai plus rapide? Parce que si je suis pas plus rapide, il me défonce. 106. Ouais, je suis un peu plus rapide. Ok. Alors, est-ce que ça me tue? Putain, mais avec une Plénitude, il me tue, quoi. Ça va pas être facile, pas facile du tout. Bah oui, évidemment. Je peux pas le paralyser ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi il utilise pas Rosser. Bon, il va utiliser une potion. Ça va être très compliqué. A mon avis, il doit avoir une PC glace. Ouais, bah là, il me tue. Hein. Je crois que c'est mort. Bon, jamais il passera lui. Il a psycho. Ouais, je crois que je peux faire F12. Hein. Ouais, c'est pas la peine. C'est pas la peine.
Ok. Ok, ok. Du coup, l'autre il a payback. Ce qui me fait chier, c'est qu'il soit plus rapide que moi, le Lucario. Puis lui il est déjà 45, ça m'aide pas. On va voir. On va accélérer un peu ça, on s'en fout un peu. Mais douce aussi puissant ça. Bon, soit je le tue, soit j'utilise une potion, voilà. Nice. Que j'ai une potion. Ah, j'ai que des super potions. C'était au cas où il switchait, mais je pouvais pas deviner. Lucario, ok. Donc, le mieux serait, je commence par quoi? En soi, je sais pas s'il me tue directement avec juste une PC glace. Yes, ça c'est pas mal. C'est pas grave. Ok, ok, c'est bon, enlever le halt. Est-ce qu'il me tue avec... Ah, il doit avoir Dark Pulse. Ah non, Poison Jab. Ah merde. C'est pas grave. Magnitude 5. C'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Il a Dry Skin en plus. Sucker Punch, bah oui, il me semblait bien qu'il avait bien un truc pour... Le poison, c'était juste pour faire autre chose. Alors, Toxicroak, il a Dry Skin, donc une attaque haut, ça sert à rien. Toxicroak, comment je peux le battre? Avec lui, ça sert clairement à rien. Avec lui, ça va être... il a Sucker Punch. Alors, est-ce qu'il va jouer Sucker Punch? Non, il joue le Poison Jab d'abord. Soit il joue le Sucker Punch pour... Non, il veut. Putain, il est pas si strat que ça, le mec. En plus, il se régène de fou, là. C'est un peu chiant. On va voir ce que ça donne. M'empoisonne pas. Allez, parfait. Donc il avait pris tarif. Hein. Nice. Galad. Plus rapide. Rock Slide? Genre vraiment? Est-ce que un Poison Jab ce serait bien? J'ai peur de faire une... Merde, j'ai cliqué de façon. Bon bah... Je pensais pas que ce serait aussi puissant. Lucario. Ok, donc Lucario va être plus rapide que moi. Si je mets lui, j'ai une priorité, et comme il est faible en vie, je peux le défoncer. Et Water Shuriken. Comme ça, l'autre il me touche pas. Hitmonlee. Ok.
Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on change? Moi, je dirais non. Parce qu'on craint rien, on est type haut. High jump kick. Ah, quand même. Ah, quand même, ah, quand même. Bon, j'ai encore 4 pokés. Là, j'ai une intimidation qui est placée. Je préfère miser là-dessus. Il te montre Chan, j'imagine. Ah, Medicham. Ah merde. Pour minimiser le chaos, peut-être c'est trop tard. Bécitrus. Utilise force. Ah bah oui, c'est la CT qu'on est censé. Enfin la CS qu'on est censé avoir. Medicham est tellement dangereux. Bon. Ok, donc il nous reste Luxray et Nidoking. Je pense pas qu'il soit assez rapide. Mais d'un côté, c'est possible. Ah bah non. Bon. Du coup, Luxray. Ah, si je perds là-dessus, je suis tellement deg. Bah ouais, il est encore plus long, Luxray. Avec l'intimidation, peut-être. Mais pourquoi il fait Ice Punch? Mais il est con. Il aurait fait force, il m'aurait tué, je pense. Enfin, presque. Enfin, je pense, peut-être. Oh, il aurait fait force, il aurait sûrement pu me buter, je pense. C'est pour ça que je me disais, avec l'intimidation, ça passerait pas. Admist the true focus. Bon, ton énergie ouais, est existante quoi. Ton dur travail, ta dur labeur quoi. T'as permis de gagner ceci. Excusez-moi. Kiki! Ah merde. Ah, elle se sent pas bien. Très bien. Très bien. Focus. Enfin, concentre-toi sur ta respiration. Comme au début de la méditation, n'est-ce pas? Garde-la constante, tu vas bien. Suis-je ouais. Après un display. Après un. Ouais bon. Est-ce qu'elle a été grillée quoi, c'est ça? Parce qu'elle voulait pas le montrer qu'elle était malade. Après une perte de conscience, enfin en plein milieu de la cour, oui. My glass réputation. Ma réputation transparente a déjà été. Ouais. Personne ne peut être aussi fort que tu l'as été depuis tout ce temps. Regarde tout ce que tu as fait, les gens que tu as rendus heureux, etc. Et à la fin, pour quelqu'un d'aussi strong que moi, je suis tellement faible. Allez, calme-toi. Comment je pourrais defeat the inner chaos? Ne pense pas que j'étais justement en train de parler du zen, enfin du la sérénité de l'esprit. Mm-hmm. Dead Zero, ouais. Aucune méditation ne pourra changer le fait que mon corps est en train de se tuer. C'est vrai. Victoria. S'il te plaît, laisse-moi, j'ai besoin d'être seul. Ok. Merde, j'aurais pas dû continuer. Je n'ai jamais vu Kiki dans cet état. Ouais. Elle devrait aller mieux, elle a compris qu'elle avait juste besoin de rester seule pour un moment. Je vais essayer d'arranger les choses. Ouais. Donc la machine, ok, le badge aussi. Ah non, on n'a pas le badge du coup. Game Committee Challenger, ouais. Dis-lui qu'elle n'est jamais venue. Tu l'as vu quelque part à Coral War, n'est-ce pas? Je pense que c'est très étrange. Comment il a tué ce perle? Je veux dire, c'est rare. Ok. Azure Inland. Tu peux jeter un coup d'œil pour l'Islande. Ok.
Bon bah écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce vert, un commentaire, à partager, à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et moi je vous laisse et je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao.